Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, bienvenue aujourd'hui dans ce quatrième épisode de la map World in a Jar. On continue notre aventure Skyblock sur cette map absolument incroyable à la recherche des éponges cachées dans les différents biomes sur les différentes jars. Vous allez voir, c'est un épisode qui, comme d'habitude, va être placé sous le signe de la galère, mais je pense que vous avez un peu fini par comprendre maintenant, hein. C'est un peu ça cette map, c'est... T'as des grosses jars bien tricky et après t'as des jars un petit peu plus tranquilles, histoire de récupérer ton stuff et de te mettre un petit peu bien. Donc voilà, un épisode placé sous le signe de la rigolade également, comme d'habitude, j'espère que vous prendrez du plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, ainsi qu'à laisser votre plus beau pouce bleu, et je vous souhaite une bonne vidéo. Du coup, alors, que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait quand même, parce que j'ai totalement zappé de vous en parler, mais en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à mettre les barrières, donc vous pouvez voir, tout est un petit peu sécurisé là sur la map, sauf je crois vers les mobs là-bas. Et je me suis fait un peu des patates, voilà. Donc on est pas mal pour continuer l'aventure. Ce qu'on va faire en vrai, je pense qu'on va aller par là-bas, on va continuer à aller voir les grandes jarres qu'il y a par là-bas. On va aller voir ça parce qu'il y a une jarre de l'autre côté près de la biblio, mais je vous avoue que ça, je suis moyen chaud sur l'idée pour le moment. On a le manoir là-bas, on a le marécage et on a l'océan. On a ces trois jars à aller voir, avec trois éponges du coup à récupérer. Alors dans tous les cas, je vais être obligé d'aller direct à l'eau, hein, je crois. J'espère que j'ai assez de dalles, mais normalement oui. Alors, ok, ça m'a l'air stylé. Mettons quelques torches parce que j'ai pas envie d'être dans la merde. Alors attendez, si je fais ça, l'eau va couler jusqu'où? C'est bon, jusque là. Alors le problème, voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est qu'on allait avoir ce genre de problème qui vont vite me saouler. Ok. Oh, ah, il y a carrément un guardian. Je suis dans la merde. C'est vrai que la respiration dans cette version, c'est pas pareil. Non, on va fouiller. On va regarder un petit coup. Ah ouais, ça peut être... Oh, il faut qu'on bute le gros guardian, déjà, pour commencer. Ouais, il me faut des portes. Il me faut des portes. J'arriverai pas sans portes. Allons chercher les portes. Oh, ça va être relou. On commence par la pire zone. J'ai du bois. J'ai pas tant de bois que ça, par contre, je crois. Ah ouais, j'ai pas de bois. Ça, c'est chiant. Tuc. C'est un saut de lait. On va se prendre un petit peu de bois. On va se prendre une hache. Vas-y, enlève-moi ça, déjà. Merci. Et good pour ça. On va aller prendre masse de bois. Hop, récupérons ça. Pensez qu'on en aura assez là? 60 portes, ça devrait aller, non? Bon, il est où? Il est là-dedans, lui? Où es-tu, copain? Mais t'es gentil, mais t'es où? Déjà que je te trouve. Putain, son chien. Ok. Hop. Ok, où est le guardian? Il est là-haut. Non? Si, il est là. Je peux pas passer, c'est normal. Pourquoi je pouvais pas passer? Pourquoi je peux pas passer? Mais laisse-moi y aller. Go. C'est bon, on est passé. C'est juste qu'on... Ça s'était pas déclenché. Aïe, vous faites mal avec votre pote. Ça, on est bien, là, en vrai, on est bien situé. Qu'est-ce qui m'attaque? Ah, on est très mal situé. Dans la merde. On est dans une merde noire. Attendez, je vais ressortir un petit peu. En fait, il aurait fallu que je me fasse une salle posée. Jusque là, en fait, les guardians sont en train de spawn. Du coup, font des dégâts. Je pense qu'on peut y arriver. Ok. Putain. Attends, ils sont 50. Je préfère pas rentrer dans la salle, honnêtement. Je préfère pas rentrer dans la salle. Genre, ils sont venus me chercher, quoi, les mecs. C'est bon. En vrai, maintenant on est bon parce qu'on n'aura pas. À moins qu'ils en aient mis deux. S'il n'y a pas de deuxième guardian, c'est bon. On n'a plus qu'à fouiller et tout péter, ça disponera. Ok, on prend les blocs d'or. Il a drop l'éponge? Ah, j'avais pas vu ça, merde. Donc ça veut dire qu'on va devoir aller voir là-bas quand même. Pas évidente celle-là. On va régénérer, on va se barrer. Il y a des coffres déjà. Hop. Avançons. Ici. Hop. Bon, en vrai, on a réussi, je dirais, une des plus chiantes quand même là. Donc, faut vraiment qu'on se fasse un nouveau. On va faire un nouveau chest, hein, parce que là, ce n'est pas que, mais ça ne va plus. Sort de stocker un petit peu tout ça là. On a eu des trucs, ma foi, plutôt pas mal. Hop, et l'éponge, du coup, nous avons notre 12e éponge qui est là. C'est validé, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Donc, la map est encore très grande. Alors, je m'interroge de plus en plus sur la pertinence, pas aujourd'hui, mais pour la prochaine fois, sur la pertinence de peut-être déplacer totalement tous mes trucs, toute ma base. Parce que là, on est de plus en plus loin. C'est un peu long, tu vois. Allons-y, sans se prendre de flèches ou quoi, bien sûr. Hein. Alors, bon, là, ça m'a l'air d'être une petite jarre, ça fait plaisir. Du bien aussi, petite jarre. Elle est trop stylée, la sorcière. Alors,
Cette petite île, voyons voir. C'est vraiment petite île ici. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment des choses? Oh! C'est bon. Pas de panique. Évidemment, il n'y a rien là-dessus, mais... Il nous faut l'éponge de cette zone. Alors, l'éponge de cette zone, soit elle est au-dessus, soit elle est en dessous. Êtes-vous impressionné par mon talent de déduction? Je sais, c'est impressionnant. Nous sommes officiellement face à la... Ah, je pense à la plus complexe, là. Je pense que de loin, c'était la plus dure. Hein. Quand même, hein. J'en reviens pas, quoi. C'est... On revient de loin. Hop. Alors, allons là-bas. Est-ce que j'ai assez de 41? Je ne sais pas, mesdames, messieurs, je n'en ai aucune idée. Et nous en avons assez. Oui, alors... Oh, mais ça, c'est que ça m'a l'air d'être la merde, ici. Alors, attendez. Avant toute chose, on va faire un truc. Nous allons la poser ici. Oh, regardez, on voit des nouveaux trucs. Oh, l'île des pandas! Tout ça n'existait pas à l'époque de Minecraft.jar de NT Hunter. Et non, car nous avons une bien meilleure map, bien plus moderne. On va d'abord un petit peu nettoyer le coin. Hein. C'est le moment où on torche. Surtout à cet endroit. Hein. Vraiment l'endroit le plus utile pour torcher, là. Attendez, déjà... Ça suffit. C'est bon? Je pense que c'est assez torché, là, quand même, non? On va prendre tout ça. Ça nous servira à bloquer et tout, parce qu'on va avoir des wololos qui vont nous tomber dessus. Ça va, vous? J'ai plus beaucoup de torches. Eh non. Il s'est fait tuer par son propre pote. En fait, l'avantage, c'est que c'est des petites zones ici. Hein. Oh là là! C'est quoi ce truc derrière? Attends. Oh là là. Eh! Ah! Suffit, toi. On est dans la merde, on est dans la merde, on est dans la grosse merde. Régène. Bon. Non, wololo, non, alors là. Bah, j'ai bien fait de mettre l'éponge. Ah, les bâtards! Putain, c'est insupportable! Les Vex sont officiellement les pires mobs du jeu! Bon, c'est un stuff en or. Hein. Perdu notre giga arc, on a tout perdu en réalité. Mais bon, c'est le but de la map. Hein. En fait, ils m'ont vraiment suivi tellement loin que j'étais en mode. Mais vraiment? Jusque sur le pont, quand même? C'est abusé. Hop! Non, 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 pourquoi? Y a pas de raison, je t'ai pas regardé! Ah ouais, d'accord. Vous savez comment ça démarre quand on y va comme un fou comme ça? On était à ça de l'avoir. Je ne perdrai pas plus de stuff que ça, je vous le dis. Oh l'attaque! Déjà, j'étais mid-life à cause du gars. À l'assaut! À l'assaut! Tu es mort et j'ai mon stuff! Qu'avons-nous là-dedans? J'aimerais bien savoir ce que nous avons là-dedans. Le problème, c'est qu'on n'a pas de pioche. Ça va, vous? Non, vas-y, laisse tomber. C'est que derrière, en plus, il serait possible qu'il y ait même pas ça, quoi. Le truc, c'est qu'on manque ne serait-ce que de fer. C'est ça, le problème. Pour l'instant, voilà, quoi. J'ai très peur que l'éponge, elle tombe. Allons déposer l'éponge. Bon, dans tous les cas, l'éponge est là. Torche, on est bon. Épée, on est correct. Hop là. 13e éponge. C'est bon. Alors, dans tous les cas, on peut continuer notre aventure techniquement. Hein. L'aventure se fait. Hein. L'opsy avec une pioche en or, ça ira vite, non? Je pense pas. On peut tenter. Hein. Go. Alors, c'est le moment un peu lent, mesdames, messieurs, mais qui va se faire? Diamant. Nice. Nice! Allez, on se casse d'ici, on revient plus. Hop. Qu'est-ce que je me fais avec ce diamant? Est-ce que ce serait pas plus intelligent de garder ce bloc de diamant? Au cas où je remeurs. Parce que là, avec ce qu'on a, on fait les trucs. Donc en vrai, on n'a pas spécialement besoin du bloc de diamant. En vrai, moi je serais plutôt d'avis de faire ça. Hein. Bon alors, il va falloir du coup qu'on aille derrière ça. Ouais, regardez. Diamant, or... Il y a sûrement du fer, mais qu'il n'y ait pas de ce côté. Donc ça, c'est un petit truc avec des pandas. Ça va être, on va dire, la grosse jarre, entre guillemets, de la zone, mais ça va pas être la plus complexe. Et là, c'est... Ok, bon, allez. On a trois trucs qui nous tendent les bras, là. Ok, donc là, déjà, objectif minage. On va aller chercher le diamant et tout ce qu'il y a, histoire d'être bien. Hein. Allons chercher le fer. Attention. Attention, parce qu'il y a un archer, il pourrait me pousser dans le vide. Je crains le pire. En vrai, on va pas faire ça comme ça, c'est trop dangereux. La merde. C'était un peu le bordel, mais...
Bon, ça va, le stuff est là. Mais putain, tu fais chier. Je l'ai entendu, je me suis retourné et tout, mais c'était trop tard. Cours choper le diable. Hello there. Quoi? Mais putain, ça fait spawn des mecs. J'en peux plus. Oh putain, butez-moi. Ah, oh, butez-moi. Ça sert à rien. Terrible. On va dormir. Comme ça, au moins, on évitera d'avoir les mobs sur la gueule quand on reviendra. Bon, ça va. Enfin, ça va. Raison gardée, ça va. Mon casque. Putain, je suis mort. Je vais mourir sur ça, ça m'en ouf. Alors, le totem, mon épée, hop, hop. Putain, ils m'ont piqué mes casques, ces enfoirés. Tiens, vas-y, viens. Help me, copain. C'est bon. Viens m'aider. Mais de toute façon, je crois que ça y est, la map est clean. Hein. Golem, tu viens m'aider? Il y en a un autre, je vais me faire buter comme ça. Attention. Bye. Ça dit même pas par quoi je me suis fait tuer? Quoi? What? J'ai attendu qu'il me tire dessus pour parer, je l'ai tapé. Je crois que c'est le golem. Ça valait le coup de le libérer, votre golem. Hop. Hop, hop, hop. Ah! Yes, superbe. Putain, ça spawn, j'ai pas assez torché. Ah! Yes, c'est bon. J'ai buté le... Ok. C'est pour ça qu'il revenait, c'est parce qu'il y avait des spawners. Mais quoi, genre, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Ah! Je pars, hein. Il y en a marre de votre zone, là. Yo, messieurs. Il y a un coffre. Je soupçonne qui est-ce que je veux à l'intérieur. Ça se transperce, là, avec vos... Ils ont des... Oh, ils ont des piercings. Oh. C'est bon, oui. C'est bon. Bottle of Enchanting, patate. Ouais, ok. C'est bon. Redescendons, maintenant. Donc, déjà, ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer un petit peu du bois. On va faire cuire le fer qu'on a. On va se faire une armure. Allez, meurs. Merci. Un petit peu plus, également. J'entends un bruit, non? J'ai l'impression d'entendre un bruit qui me stresse. Ok, donc. Voilà. Ok, bon, on n'est pas trop mal. Alors, il faut qu'on trouve l'éponge. Pour moi, elle doit être en grotte, mais... Sait-on jamais? Non. Voilà. On se casse d'ici. En vrai, mine de rien, aujourd'hui, on fait plein de jars. On avance bien, on fait plein de petits jars et tout, c'est bien. Du coup... 15e. Ça va là. On va voir un petit peu pour s'enchanter 2-3 trucs quand même. Notamment ça. 1-1-1. Ok, efficiency. Ça et ça. Et allons faire nos deux petites jars avec nos pandas là. Oh, une jar avec des lamas. Ah, et il n'y a rien d'autre après, j'ai l'impression. Regardez. Ah, peut-être que ça apparaîtra derrière. Je sais pas. Ok. Donc, bon, là en vrai, ça devrait bien se passer ces petites jars là, normalement, j'espère. Vous avez vu comme je suis beaucoup moins soigné qu'au début sur les jars? Alors, ici, bonjour. Si nous avons des ânes. Okay. Et c'est tout ce que nous avons, littéralement. Alors, est-ce que la truc est plus haut? Là, c'est vraiment le seul intérêt ici, il est là. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, sous, tu vois, un truc du genre, sous un tronc, par exemple? Non. Ok, peut-être en haut directement. Voilà. Quand je vous dis que c'est quand même plus simple, je ne mens pas. C'est quand même des jars plus sympas, quoi. Elles nous aiment bien, ces jars-là, quoi. Elles sont quand même plus cool. Donc ça, je vais le poser là, pour l'instant, histoire de ne pas la perdre. Donc allons à la suivante. Hop. Alors le problème c'est que ça va spawn là, donc attention, ça va pas spawn là quand même, pas encore non? Peut-être, je sais pas. Voilà, venons ici. Alors bonjour, je ne veux pas que ça spawn ici, hein, je vous préviens. Non, c'est l'île de la beauté ici, ça ne spawn pas ici. Alors du coup, éponge. Alors là par contre l'éponge je sais pas où elle peut être. Elle peut être en haut d'un bambou vous pensez? On la verrait en haut d'un bambou. Attends, désolé les gars, je pète vos bambous. Pour mieux y voir. Non. Est-ce qu'elle peut être dessous? Ou alors elle est dans le bouchon, pour une fois. J'allais voir déjà là-haut s'il y a pas un truc. Elle est peut-être dans la mini-grotte, hein. Ils ont quand même une grotte, donc elle est peut-être dans la grotte. Hein. Donc là, il y a du mob, on l'entend. Non, mais on va voir. Alors déjà, on a un bouchon qui est plus bouché que d'habitude. Les gars, bonjour. Non, peut-être encore au-dessus, on va voir. Même si je n'y crois pas, mais... Bah, s'il y avait l'éponge là, on le saura jamais. J'ai envie de vous dire... Si elle était là, nous ne le saurons pas. Elle peut totalement être quelque part en dessous. Hein. Si c'est ça, c'est chaud par contre. Hein. Où es-tu? On va la trouver.
Ok, non, elle est pas là. Elle est pas là. Bah, c'est d'autant plus flippant alors qu'elle soit pas là. Parce que du coup, elle est où? Si ça se trouve, elle était vraiment au-dessus du bouchon avec le creeper. Mais j'ai du mal à y croire quand même. Elle peut être totalement un peu plus haut, j'allais dire. Ouais, regardez, si, il y a plusieurs couches là. Elle peut être là. Hein. Yes. Bien vu! Les pandas sont sains et saufs! Je dis pas que ça va spawn dans mon dos. Du coup, alors, il y a cette zone avec le lama derrière qu'il faudra voir. Mais autrement, c'est pas mal. On a eu, quand il pense, on a quand même fait 6 éponges. C'est pas mal. Hein. Même si on a perdu beaucoup de stuff, mais ce fut, on va dire, une expédition, ma foi, concluante. On est à plus de la moitié de la map. Petit à petit, comme on dit, mon expression favorite, petit à petit, l'oiseau fait son nid, exactement. Donc on est bien.